Dans un communiqué publié sur son site web, le ministère chinois de la Défense affirme que la Chine a montré la plus grande volonté à chercher à communiquer avec l'Inde par voie diplomatique pour résoudre l'incident. Mais la bonne volonté a ses principes et la retenue a ses limites. Le ministère exhorte la partie indienne à abandonner l'illusion de sa tactique dilatoire. Il met en garde tout pays contre une sous-estimation de la capacité de la détermination des forces chinoises à préserver la paix. Le ministère souligne enfin que les forces armées chinoises protégeront avec détermination la souveraineté territoriale et les intérêts sécuritaires du pays.